Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes ici sur la place du 18 octobre devant l'hôtel de ville de Châteaudun pour mettre en lumière, mettre en évidence cette Légion d'honneur que la ville de Châteaudun a obtenue suite au fait d'armes de 1870, la guerre face aux Prussiens où Châteaudun, Civry, Varize, Loigny-la-Bataille ont vaillamment résisté face à la Prusse. Et à Châteaudun, c'était au 18 octobre 1870 et nous l'avons obtenue, la Légion d'honneur, par le décret du président de la République, le général MacMahon, en 1877. Donc cela fait bientôt 142 ans que la ville de Châteaudun a la Légion d'honneur, a cette Légion d'honneur. Il y a peu de villes en France qui l'ont, à peu près 64 villes françaises et 6 villes étrangères qui ont la Légion d'honneur. Et donc Châteaudun doit le mettre en avant, le valoriser. Les Dunoises et les Dunois nous le disent, peut-être qu'on pourrait davantage le valoriser au niveau de la façade de l'hôtel de ville. Dans la manière de communiquer, de mettre en lumière notre ville, notre belle cité dunoise qui a traversé les siècles, qui a comme ambition perpétuelle de renaître de ses cendres avec sa devise Extincta Revivisco, celle du phénix. Châteaudun doit davantage valoriser cette Légion d'honneur, cette résistance incroyable face aux Prussiens il y a bientôt 150 ans. En 2020, nous fêterons le 150e anniversaire et donc avec Châteaudun 2020, nous souhaitons valoriser davantage cette Légion d'honneur. Et surtout le 18 octobre 2020, 150 ans après cette bataille, cette rude bataille, mettre notre ville à l'honneur et faire une cérémonie sans équivalent. Merci à tous.